Une heure pour faire 6,7 km de course à pied par une belle journée ensoleillée, ça ne représente pas un grand défi pour les participants à la course d'endurance Big Wolf's Backyard. Mais ce n'est pas tout. Tout le monde peut faire 6,7 km. Même en marchant rapidement, tu es capable de le faire. La question, c'est combien de fois que tu vas être capable de le faire. Ce parcours doit être répété toutes les heures jusqu'à ce que tous les coureurs aient abandonné, sauf un. C'est pas le premier qui fait le meilleur temps qui va gagner. Ça va être vraiment la personne qui va le mieux gérer son énergie, le mieux gérer sa course, son alimentation, son peu de temps de repos aussi. Donc, c'est une course qui est très stratégique. La promenade se répète donc encore et encore et encore et encore. Peu à peu, l'épreuve devient insurmontable. Tous ont développé leur petite stratégie pour y survivre. Ma technique, c'est la tête. C'est d'endurer puis de faire ça pour le plaisir. Parce que des fois, on se laisse aller, on jase, puis on va trop vite, puis c'est pas bon. C'est tour après tour, puis pour rester le plus longtemps possible, mais un tour à la fois, c'est tout. Le temps d'arrêt entre chaque course est un moment précieux. Il permet aux coureurs de recharger leur batterie, aidés par leurs équipiers. Oui, c'est comme de la Formule 1, hein, avec l'équipe là, qui s'occupe de son athlète lorsqu'il revient ou elle revient. Donc, c'est très stratégique. Ils ont eu des indications de la part de leurs coureurs sur ce qu'ils devaient manger, boire, pour être le plus efficace possible dans leur transition. Bien, on a une ligne directrice à chaque tour pour regarder s'il y a des bobos, hydratation, puis manger. Puis son objectif aussi, là, il est clair, là, il veut se rendre à demain matin. Fait que, il faut que je le pousse jusque-là. Le sifflet de départ du Big Wolf's Backyard a été entendu samedi matin. Mais la course ne se terminera probablement que lundi. Les meilleurs coureurs peuvent tenir le coup jusqu'à 40 heures d'affilée. Le record mondial, lui, est de 81 heures, soit plus de 540 km. Ici Alexandre Courtois-Manche, Radio-Canada, à Kakuna. Ici Bas-Saint-Laurent.